Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, la revue du Bilo version 2, un atomiseur reconstructible par IH Pro et Isigidi. Dans la boîte, vous trouverez bien entendu l'atomiseur lui-même, votre 114e exemplaire de l'incontournable petit tournevis bleu, du coton japonais et des résistances toutes prêtes, un pack de joints de rechange et des vis de rechange pour le plateau reconstructible, ainsi qu'un mode d'emploi. Il est très bien rédigé, mais exclusivement en anglais. À noter qu'il n'y a pas de réservoir de rechange fourni avec l'atomiseur. Et voilà en gros plan le Bilo version 2. C'est un atomiseur réalisé en inox et pyrex. Il est au diamètre 22 mm, mais le réservoir est un petit peu plus épais. Ça se voit si on le monte sur un mode en 22 mm. On est parfaitement flush au niveau de la connexion, mais un petit peu plus épais ensuite. Ici, sur une batterie dite juste 2, ça fait un tout petit setup plutôt sympa. A noter que les finitions sur cet atomiseur sont impressionnantes pour sa gamme de prix. Que ce soit les surfaces, les jointures, les filetages, c'est extrêmement bien fini, aucune surface désagréable. C'est du costaud, ça, c'est très agréable à prendre en main. Juste un petit détail, quand vous le sortirez de la boîte, il y aura quelques traces d'huile d'usinage à l'intérieur. Rien de bien méchant, mais n'hésitez pas à bien le laver et bien le rincer à l'eau chaude avant de vous en servir. Ce détail mis à part, encore une fois, les finitions sont excellentes sur cet atomiseur. On va voir tout ça en détail, à commencer par la connexion 510 qui est en cuivre et assure donc une excellente connectivité. En bas de l'atomiseur, on a la bague de réglage du flux d'air. À noter qu'on a une butée, que ce soit en position grand ouvert ou en position fermée. Le réglage se fait des deux côtés de manière symétrique. En position grand ouverte, on a un flux d'air très aérien. On est, pour vous donner un ordre d'idée, plus aérien que sur un Subtank Mini, mais un petit peu moins tout de même que sur un Atlantis. C'est parfait pour faire de l'inhalation directe, la vapeur donc directement dans les poumons. On a un flux d'air très aérien et un tout petit peu restrictif. Par contre, si vous préférez l'inhalation indirecte, donc la vapeur d'abord dans la bouche puis dans les poumons, vous aurez beau fermer l'arrivée d'air pratiquement au maximum, ce sera toujours trop aérien pour avoir une inhalation indirecte agréable. Donc vraiment, un atomiseur très aérien est clairement prévu et exclusivement prévu pour l'inhalation directe. Le drip tip est très classique. C'est un drip tip qui tient très bien grâce à deux joints. Il a un isolant, donc il ne prend pratiquement pas la chaleur, et un très gros diamètre qui correspond effectivement au diamètre interne de la cheminée. Pour démonter l'atomiseur, on va dévisser sa partie basse, ce qui va permettre de séparer la base avec le plateau de montage et la partie réservoir. On va commencer par la partie réservoir qui n'a rien de très particulier en fait. Une cheminée encore une fois très très ouverte. Pour démonter cette partie réservoir, on dévisse la partie basse et la partie haute. La partie basse du réservoir va prendre la base et la cheminée. Encore une fois, très ouverte. On a un joint haut qui assure l'étanchéité avec l'ouverture du drip tip. En bas, les arrivées de liquide. Encore une fois, c'est une pièce qui est très bien réalisée. Les surfaces comme les filetages sont vraiment, vraiment exemplaires. Le logo sur la cheminée. Et le joint donc ici pour le réservoir. Le tank, comme je vous l'ai dit, est en pyrex, largement assez épais pour être costaud. Les finitions, encore une fois, sont très agréables. La capacité de ce réservoir est encore une fois de 5 ml. Et la partie supérieure, une très belle pièce de métal d'ailleurs, relativement lourde, très, très agréable. Les finitions sont encore une fois excellentes et l'étanchéité du réservoir donc en haut de cette partie est assurée à la fois par un joint intérieur et par un joint sur le bord. La connexion 510 du drip tip est standard, vous pourrez bien sûr mettre n'importe quel drip tip si vous préférez. La base de l'atomiseur est relativement classique mais efficace. On a le joint d'étanchéité du réservoir, la bague de réglage de flux d'air peut s'enlever si vous voulez nettoyer à l'intérieur. On a donc ici les deux arrivées d'air et une petite vis. Cette petite vis en fait va s'insérer dans le petit creux que l'on a au niveau de la bague et c'est ce qui va permettre d'avoir le blocage en position complètement ouverte ou complètement fermée du flux d'air. Du coup, quand vous allez remettre cette bague, pensez à bien mettre la vis au niveau de cette petite encoche comme
ceci, de manière à ce qu'une fois refermé, vous conserviez effectivement la position ouverte ou fermée avec le blocage. En haut de la chambre, on a un joint qui est du coup resté dans la partie intérieure de la cheminée. On va le récupérer tout de suite. Le voilà. Attention à ne pas perdre ce petit joint qui vient donc en haut de la chambre assurer l'étanchéité de l'ensemble. La partie basse de la cheminée assure également la fonction de chambre de vaporisation. Ça se dévisse encore une fois très bien. Le filetage est très très agréable et très bien fini. Et on voit tout de suite qu'on a une chambre extrêmement réduite. C'est probablement ce qui participe entre autres à l'excellent rendu des saveurs de cet atomiseur. Le plateau de montage est relativement classique en soi. On a deux très larges arrivées d'air. A noter qu'on a que les arrivées d'air sont un petit peu surélevées. C'est plutôt bien vu. Si on a quelques gouttes de liquide qui arrivent au niveau du plateau, elles auront un petit peu plus de mal à passer dans le trou d'arrivée d'air et du coup à couler par les trous d'aération. Pour faire votre montage, vous avez trois plots. Les plots sont relativement petits. Les vis sont relativement petites, mais elles tiennent très bien. Elles ont entre autres la qualité de ne pas couper les fils. Et on a également les quatre arrivées de liquide, deux de chaque côté, des arrivées d'air. C'est un plateau relativement classique. Il n'est pas très grand. Vous ne pourrez pas faire de très très gros montage sur ce plateau. L'idéal est de se servir plutôt de fil de jusqu'à, on va dire, 0,4, grand maxi 0,5 mm. Et probablement plutôt de faire des micro-coils, donc avec des spires jointives. Si vous faites des spires espacées, vous risquez rapidement de manquer de place. On voit qu'en fait, il faut que, bien sûr, les coils soient au niveau de l'arrivée d'air. Une fois que la chambre est refermée, les arrivées d'air sont très très près du bord de la chambre. On le voit à ce niveau-là. Donc il faudra globalement faire des résistances plutôt petites. Deux arrivées d'air et on ne peut pas les boucher comme on le voit de plus en plus sur les atomiseurs maintenant. Du coup, le Bilo V2 vous impose de faire des doubles coils. C'est le principal regret sur cet atomiseur, le fait de ne pas pouvoir s'en servir en simple coil. Et voilà, par pur esprit de contradiction, j'ai donc ici fait un montage avec des spires espacées, justement. Là, c'est du Cantal en 0,3 mm. Vous aurez quand même plus de mal à faire des spires espacées avec du fil de 0,4. Pour les mèches, comme d'habitude, n'en mettez pas trop. Juste ce qu'il faut dans les rigoles pour qu'il n'y ait pas de fuite, mais plutôt pas assez que trop. S'il y a trop de coton, ça risque de boucher l'arrivée de liquide. La capillarité ne sera pas assez bonne si vous avez un coton trop tassé à ce niveau-là, et vous risquez d'avoir des dryites. Plutôt le minimum donc de coton dans les rigoles. Une fois que c'est prêt, il suffit de remettre la cheminée, comme ceci. À ce moment-là, dans votre montage, vérifiez quand même que vous n'avez pas de court-circuit. Le montage sera quand même très près de la chambre. Du coup, en vissant, vous risquez d'avoir un court-circuit sur un des deux côtés de chacun de vos coils. Reprenez bien la mesure de votre résistance avant d'aller plus loin dans le remontage. Et voilà, maintenant que le montage est fait, on va pouvoir remonter l'ensemble, à commencer par le réservoir. Extrêmement simple puisqu'il n'est en fait qu'en deux parties plus le Pyrex. On revisse simplement la partie haute et la partie basse, et c'est prêt. Pour le remplir, on a les quatre larges ouvertures de chaque côté. La contenance, encore une fois, est de 5 ml. Le remplissage est extrêmement facile. Vous pouvez même faire ça directement avec la bouteille, en y allant quand même suffisamment doucement pour pas que le liquide coule dans la cheminée. Ça fonctionne très bien, c'est super simple à remplir, même avec une bouteille qui a un embout énorme comme celle-là. Un petit détail également, on n'a pas de fuite par les arrivées d'air en remontant, ça fonctionne vraiment très bien. Vérifiez bien que le joint est bien présent en haut de la chambre, le petit joint noir donc que l'on a ici, et qui va faire l'étanchéité avec le fond. On revisse
la base sur le réservoir. Et c'est prêt à vaper. Il n'y a plus qu'à mettre le drip tip et en route. Avec ce montage-ci donc, que j'ai fait en spire espacée avec du Cantal en 0,30 sur un axe de 2,5 mm, on a en double coil, donc on a une résistance de 0,8 qui est relativement élevée pour un double coil. Et on a une vape qui reste très agréable à 20-25 watts à peu près. C'est une des très très grosses qualités de cet atomiseur. On peut avoir une excellente vape et un très bon rendu de saveur et également une très bonne production de vapeur avec des puissances raisonnables. J'ai même essayé de faire le même montage mais avec du fil en 0,40, encore une fois sur un axe de 2,5 mm, cette fois par contre avec des micro-coils, donc des spires serrées. La vape est très très agréable à 25-30 watts. On va dire 25 watts avec l'arrivée d'air à moitié ouvert et 30 watts avec l'arrivée d'air complètement fermé. C'est une des très très grosses qualités de cet atomiseur. Le rendu des saveurs est excellent. Et même si c'est un double coil avec un flux d'air très aérien, il n'y a pas besoin forcément de monter dans les watts pour avoir une excellente vape avec donc le Bilo V2. Et voilà, vous savez tout sur le Bilo version 2. Au final, le bilan est largement positif pour cet atomiseur. Les finitions en particulier sont remarquables, vraiment exceptionnelles, en particulier dans cette gamme de prix. Le flux d'air est très bien géré, un tout petit peu restrictif pour faire de l'inhalation directe, très agréable. Et un remarquable rendu des saveurs, c'est probablement le point positif de cet atomiseur. Le rendu des saveurs est vraiment génial. Deux petits défauts. Le premier, c'est qu'on ne peut pas le monter en simple coil. De plus en plus de reconstructibles ont une petite pièce qui permet de fermer le flux d'air et les deux arrivées d'air d'un côté et donc de s'en servir en double coil. En simple coil, pardon, cette pièce n'est pas disponible sur le Bilo version 2. Il ne marche donc que en double coil. Deuxième petit regret, le réglage de flux d'air ne permet pas d'avoir un flux d'air suffisamment serré pour avoir une vape agréable en inhalation indirecte. Donc la vapeur d'abord dans la bouche, puis dans les poumons. C'est vraiment un atomiseur prévu pour le double coil, l'inhalation directe. Par contre, dans ce contexte, il est remarquable que ce soit en termes de finition ou en termes de qualité de vape. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape, justement. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à les partager et à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Encore une fois, une excellente vape et à la prochaine.